3, 2, 1, maintenant. Ok. Pour faire pareil, il faut le redire 5 fois peut-être. 5 hein, fois. Ouais, 5 fois, je pense que ça va marcher. Ok. Pennywise, Pennywise, Pennywise. Regardez ce qu'on a là. Alors là, bah, approche, approche un peu. Comme vous pouvez très très bien le voir, nous avons différents monstres. Donc c'est pour ça que cette roue, nous allons la nommer la roue des monstres. Alors bon, la petite particularité, c'est que là, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon décor habituel. Parce que oui, Twinner m'a invité chez lui. Twinner, viens, viens par ici un peu là. Ouais. Voilà, bon, en tout cas, là, je pense qu'on va kiffer. On va kiffer dans cette vidéo. Écoutez les amis, vous pouvez le voir, un tas de monstres nous attend aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Nous allons donc devoir tourner cette roue des monstres à tour de rôle. Et là, la petite subtilité, c'est que nous allons donc devoir invoquer le fameux monstre qui sera désigné par la roue. Ouais. Ok, bon, ça va vraiment être une dinguerie invoquée. Donc c'est-à-dire que genre on posera un truc ici et on se mettra à faire des incantations. Voilà, c'est ça. Mais ça, de toute façon, on verra plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à rester du début jusqu'à la fin. Une chose très très importante aussi à ne pas oublier, un maximum de likes. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, vient le moment maintenant de commencer à tourner cette roue des monstres. Attends, mais fais voir juste. Attends, pour voir. Ok. Bon, tu commences, je commence. En vrai de vrai, je propose que on fasse un petit pierre feuille ciseaux comme ça là. Pierre feuille ciseaux, ouais. Celui pourquoi qui, pas. Celui qui gagne, il tourne la roue. Ok. 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 Allez, on commence. On fait comme ça. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ah. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh. Eh ouais les gars. Bon, bah là je crois bien que Twinner, ça va être à toi de commencer à tourner cette roue. Allez, allez, courage, courage. Je vais vraiment le faire parce que évidemment j'ai perdu au pierre, feuille, ciseaux. Mais allez les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Jeff the Killer là. Et là pour le coup, ça commence déjà très très fort. Là, regardez, la roue a désigné Jeff the Killer. Et donc, eh bien du coup, qu'est-ce qu'on doit faire là du coup? Bah écoute, si j'en suis un petit peu la logique, ça voudrait dire qu'il faudrait donc invoquer dès maintenant tout de suite Jeff the Killer, c'est donc ça? Exactement. Bon, et bah écoute, moi je sais pas forcément comment on l'invoque particulièrement, mais toi je sais que t'avais déjà fait des vidéos récemment avec Jeff the Killer, donc bah, peut-être que tu saurais comment l'invoquer. Ouais ouais, bien évidemment, moi c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, on a l'habitude, donc je vais te dire comment ça va fonctionner. Ok. Allez, let's go. Bon, commence maintenant les choses sérieuses. Twinner, est-ce que t'es prêt? Bah écoute, moi je suis plutôt chaud. Regardez, pour l'occasion, j'ai ramené une petite bougie, ouais, avec évidemment un briquet. Comment ça se passe? Alors, tu le fais? Alors en fait, nous allons donc devoir allumer la bougie, éteindre toutes les lumières. Ouh. Et répéter à plusieurs reprises le nom de la creepypasta. Donc là, donc, pour le coup, Jeff the Killer. Ok, donc voilà, on doit répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse. Exactement. Ou alors qu'il montre un signe, quoi. Bon, ça y est, on y va, t'es prêt? Vas-y, let's go. Vas-y, donc, je te laisse allumer la bougie. Allumer la bougie, c'est parti. Ouais. Ok, waouh, regardez. Vas-y. Ok. Wow. Voilà les gars, donc là la bougie est allumée. Nous allons la positionner, ouais, juste devant nous. Juste là, là. Bon, une chose très très importante, éteindre toutes les lumières. Et là je vais juste claquer des doigts et tout va s'éteindre. Ouais, on essaye? Bah vas-y, essaye. Oh, wow. Ok. Bon bah, magicien. Ouais. Dis donc. Ok, ok, bon. Bon, ok, on y va. T'es prêt? Allez, let's go. Allez, ok. Donc, on fait comme ça. Ouais, bah, voilà, on fait comme ça. Et on répète à plusieurs reprises le nom Jeff the Killer. Ok, 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 okay, c'est parti. 3, 2, 1. Jeff the Killer, Jeff the Killer, Jeff the Killer. Ok. Bah, on continue? Ouais. Ok. Jeff the Killer, Jeff the Killer, Jeff the Killer. Bon, attends, peut-être si on le dit plus longtemps, je on l'a dit 3 fois, peut-être 5 fois. Ouais, on essaye? Vas-y, vas-y. On essaye. Jeff the Killer, Jeff the Killer, Jeff the Killer, Jeff the Killer, Jeff the Killer. T'entends quelque chose? Tu... Bah, pour l'instant, l'invocation... Non, y a rien de spécial, hein. Rien de spécial, non. Là, jusqu'à présent, rien de spécial. C'est bizarre, la bougie, c'est même pas éteinte, rien. Bon, en vrai, moi, ce que je propose, du coup, c'est quand même de checker toute la maison, toutes les pièces, pour voir s'il y a eu du mouvement ou... Wow. What? Attends, mais... Attends, non, là, y a un problème, là.
Attendez les gars, je sais pas si vous avez pu le remarquer comme ça à la caméra, mais on a les lumières qui ont commencé à scintiller. Eh, c'est bizarre, c'est vachement bizarre tout Twinner là. Non, là par contre, ouais. Regarde. Elles se sont mais éteintes complètement les lumières, c'est trop bizarre. Mais ouais, elles se sont mis à scintiller quoi, elles se sont allumées puis rééteintes. Bon, ça veut tout simplement dire que Jeff the Killer est forcément dans les barrages. Donc ouais, faudrait qu'on a essayé de faire un petit tour quoi. Ouais, là c'est sûr qu'il y aurait probablement des présences fantomatiques. En tout cas, là pour le coup, nous allons checker tout ça. Bon, à ton avis, par quel endroit il aurait pu arriver quoi? Par quel endroit il pourrait arriver? Pour l'instant, je sais pas forcément. On pourrait peut-être essayer d'aller faire un petit tour derrière là, juste là. Peut-être par ma chambre. Ouais, là-bas? Ouais, ma chambre juste là-bas. Ok, allons regarder. Ok. Peut-être que c'est possible qu'il soit là. Hein. Ouais, ok. Non, rien à signaler, hein. Y a juste mon lit pas fait, mais voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, il y a rien du côté de la chambre de Twinner. Nous allons retourner jusqu'au salon, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment étrange. Et là, j'en suis quasi sûr que quelque chose est en train de se passer là, en fait. C'est vraiment vraiment attends, bizarre. Attends. Tu peux regarder juste en bas là? Quoi? Y a quoi? La bougie qui. Oh, qui s'est quoi éteinte? Wow, les gars! Mais elle s'est clairement éteinte là, c'est pas possible! Ouais! Attends, mais en plus. Attends, mais. Y avait encore un peu de fumée, je crois qu'elle s'est éteinte toute récemment en plus, hein! Ok, ouais, là pour le coup, bah, la bougie était allumée et là on vient de la retrouver éteinte! Imagine, c'est Jeff the Killer qui a éteint la bougie pendant qu'on n'était pas là. Je sais pas, mais là, beaucoup de choses nous disent que il se passe quelque chose là dans la maison. Donc, faudrait quand même continuer à checker là. On continue? Ouais, on va continuer un petit peu là. Vas-y. Non, vraiment beaucoup trop bizarre la situation. Vas-y. Moi, ce que je propose quand même, c'est d'aller voir, tu vois là, à côté de la cuisine, niveau du garage. Ok, ouais. Niveau du garage? Ouais. On va faire un petit tour là-bas. Ok. Vas-y. Allez, let's go. Donc, juste ici là, derrière la cuisine, il y a évidemment mon garage. On va peut-être essayer d'aller faire un tour dedans. Ok, bon. Vas-y. Quelque chose, tu vois? Non. Attends. Y a quelqu'un? Pour l'instant, moi, je vois personne. Ouais. Même moi, hein. Moi. Wow. Mais. What? Viens, vite. Ferme la porte. What? Wow! Mais t'as vu Jeff the Killer? Ouais, les gars, il était carrément dans le grenier. Il était carrément dans le toit en fait. Mais what? Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi dans ma maison? Oh là, pour le coup, ça m'a surpris. Ça m'a clairement surpris. La chose en tout cas qu'il va falloir faire, c'est garder cette porte bien fermée. Voilà. Qu'il puisse pas s'introduire carrément dans le salon, quoi. T'as compris? Ouais, non, mais clairement, faut vraiment qu'elle soit bien fermée, bien verrouillée. Comme ça, on est sûr qu'il ne sortira pas d'ici et viendra nous déranger. Bon, dès maintenant, là, vu qu'on sait où est-ce qu'il est, Jeff the Killer, et vu qu'on l'a carrément enfermé au niveau du garage, je propose qu'on commence à invoquer d'autres monstres. T'es pas chaud? Et mec, je suis carrément chaud. Bon, par contre, j'espère que cette fois-ci, ce sera pas un monstre dangereux qui voudra nous tuer, parce que là, sur le coup, c'était vraiment chaud. On y va? Allez, let's go. Oh là là là. Bon, par contre, on avait dit un truc. J'ai tourné la première fois à la roue, maintenant c'est clairement à ton tour, Robtech. Bon, ouais, là pour le coup, j'avoue, c'est clairement à mon tour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas perdre plus de temps et je vais tourner cette roue des monstres. Allez, à mon tour, j'y vais. Ouh, j'espère qu'on va pas tomber sur des gros monstres très très méchants en tout cas. Allez, on y va? 3, 2, 1, maintenant. Ok. Alors, sur quoi on va tomber là cette fois? Oh! Wow! Pennywise! What the fuck? Mais attendez, mais là je crois bien qu'on est encore une fois sur l'un des pires en fait. Bon bah comme la règle le dit, nous allons donc devoir invoquer Pennywise. Et là ce qui va faire la différence, c'est le ballon. Oui, le ballon rouge que Pennywise a tout le temps sur lui. Ça y est, voilà, on a encore une fois éteint toutes les lumières. Tout est réuni, la bougie est allumée, le ballon est ici. Donc je propose qu'on mette le ballon au milieu. Vas-y. Et du coup, voilà, comme je l'ai dit, ça va être la même chose, nous allons donc devoir répéter à plusieurs reprises Pennywise. Donc voilà, okay. Le nom du clown. Le nom du clown, ouais. Voilà, allez, go. Pennywise. Ok. Non.
on réessaye. On refait, okay, on okay. refait. Pennywise, Pennywise, Pennywise. Non. Bon, écoute, je crois faire pareil, faut le redire 5 fois peut-être. 5 hein? fois, ouais. Ouais, 5 fois, je pense que ça va marcher. Ok. 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 Pennywise, 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 Pennywise. Wow! Wow! Oh, mais what? Mais ça m'a explosé à la tête! Mais le ballon a complètement explosé comme ça d'un coup! Oui! Oh là 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 là! Attends, c'est un signe là, de Pennywise ça! Ouais. Bon, moi ce que je propose, c'est de faire à peu près la même chose, c'est ouais. vérifier toutes les pièces. On fait un petit tour, ouais. Okay. Voilà, ok, vas-y. On va dès maintenant faire un petit tour. Écoute, tu sais bien, Pennywise, il a un lien très très fort avec les égouts et toutes les bouches d'eau, tout simplement. Je te propose qu'on aille aux toilettes. Ouais, ok. Ok. Bon, évidemment, je suis pas forcément sûr qu'il soit dedans, mais c'est vraiment fort probable. Ok. Non, rien. Non. Non. Okay. Ok, bon, on a rien au niveau des toilettes. Peut-être regarder la salle de bain. Peut-être regarder du coup, oui, du côté de la salle de bain. Petit tour dans la salle de bain, ouais, je pense qu'il pourrait y avoir des trucs sympas. Oh, vas-y, je te laisse regarder parce que moi, voilà. Ok. Déjà, c'est bizarre parce qu'elle était pas tout à fait fermée. Je me rappelle l'avoir fermée vraiment entièrement. Mais okay. Ouais. Elle s'est ouverte toute seule. Quoi? Quoi? Wow! Wow, les gars, là, c'est vraiment, vraiment bizarre. La porte a tendance à s'ouvrir carrément toute seule. Mais attends, refais pour moi. Ouais, frère. Attends, là, on est d'accord, c'est bon? Ouais, lâche. Vas-y, va voir. Tu veux vraiment que j'aille là-dedans tout seul? Bah ouais, vas-y. Y a quelqu'un là? Wow, là. Oh, non. Vite, ferme la porte, vite. Oh. Ok, t'as la clé, t'as quelque chose pour fermer? Ouais, j'ai peut-être un truc. Ouais. Non, les gars, il y a carrément Pennywise là dans la salle de bain quoi. Ok, bon, ça devrait aller, mais bon, la serrure est là un petit peu sensible, donc peut-être que ça pourrait lâcher. Je crois qu'il veut vraiment sortir d'ici, hein, il est pas content. Oh là, les gars, bon, dès maintenant, on se retrouve du coup avec Jeff the Killer qui est du côté du garage. Et là, nous avons Pennywise qui est dans la salle de bain. Ça commence à faire beaucoup là quand même. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces monstres là maintenant? Et j'ai peut-être une idée en tête. Bon, tu vas me prendre peut-être pour un fou, mais essayons un petit truc. Si on faisait sortir Pennywise et qu'on faisait aussi sortir Jeff the Killer, peut-être que les deux pourraient se rejoindre et peut-être se faire un combat ou un truc comme ça, non? Ça te dirait? Ouais, très bonne idée là pour le coup. On pourrait carrément se les faire rencontrer en fait et voir ce qui pourrait se passer. Bon, tu sais quoi? Moi je propose qu'on aille dès à présent ouvrir du côté de Jeff the Killer et après on ouvrira du côté de Pennywise. Mais nous, une fois que toutes les portes seront ouvertes, va falloir qu'on se trouve une cachette quand même. Ouais, je sais pas, en vrai on pourrait se mettre sous la table. On se met sous la table comme ça, on pourrait aller voir un petit peu, je sais pas, dans la cuisine, dans le salon, se balader, tu vois. Ça te dit? Ok. Allez, viens, on va directement aller ouvrir du côté de chez Jeff the Killer. Vas-y, je te laisse. Je te laisse ouvrir. Let's go. On y va. Bon, alors, par contre, faut faire attention parce qu'il était fou tout à l'heure. Hein. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Ok, vas-y là. On ouvre là-bas. Ouais. De toute façon, il va sortir. Viens. Deuxième porte, ouvrir Pennywise. Ok. Ouvre et après, on se met sous la table. Vas-y. Oh, ok. Bon, dès maintenant, toutes les portes sont ouvertes. Et là, c'est probablement le moment où ils vont se rencontrer. Attends, je vais me cacher moi aussi en dessous de la table. C'est un peu compliqué. Elle est un peu petite. Hein, mais... Ouais. Je dis ça. Ok. Les gars, ils sont complètement en train de se battre là, c'est ça en fait, c'est... Oui, ils sont en train de se cogner là, regarde. Oh mais c'est chaud de ouf. Oh, Twiner, ça va? Oh, non, les gars, Twiner s'est cogné la tête là. Chut. Je crois qu'il m'a entendu. Oh, on fait quoi? Non. Oh, vite. Oh non, vite, Twiner, vite, cours. Oh, vite. Ils arrivent. Ok, ferme la porte, vite. Oh, ok, reste devant la porte, c'est mieux. Reste devant la porte. Oh, vraiment. Ok, oh, je la tiens.
C'est compliqué. Là pour le coup, va falloir vraiment que tu restes derrière la porte. Faudrait vraiment, mais vraiment pas qu'ils arrivent à rentrer, tu vois. Ok. Oh là 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 là. La porte là, mais c'est dur là, c'est dur. Ok. Attends, je vais t'aider. Ok. Oh, ok, faut tenir okay. Les gars. Bon. Oh là 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 là. Ça devrait le faire. Franchement là, on est chaud. En plus là, j'ai. Oh, c'est bon. Oh. Je crois que. Ok. C'est bon. Il force plus la serrure. Ok. Ok, bon, là pour le coup, on va vraiment devoir, je pense, rester enfermé dans cette pièce parce que là on peut plus sortir, on peut clairement plus sortir, ils sont là au niveau du salon. T'as pas une solution? Comment est-ce qu'on pourrait faire là en fait? Écoute, j'ai aucune solution. Je sais pas, écoute, ce que je te propose c'est qu'on reste ici pendant quelques instants et puis peut-être que d'ici 10 minutes ils seront partis, je sais pas, ils nous auront peut-être oubliés. En fait c'est soit on attend que l'heure passe à 4h du matin et là à ce moment-là tous les mauvais esprits et tous les monstres et les creepypastas vont partir, ou bien ce qu'on pourrait faire c'est utiliser la manière forte et tenter de reprendre le salon par la force. Qu'est-ce que tu proposes là? Eh bah écoute, tu sais quoi? Moi je pense qu'on va y aller à la manière forte. Et en plus ça tombe bien puisque tu sais depuis quelques semaines, tous les soirs je dors avec un truc sous mon lit. Ah ouais? Attends, mais qu'est-ce que... Oui, tous les soirs je dors avec ça. Wow, ok. D'accord, je pense qu'en ce moment, ouais, t'as beaucoup de problèmes. Ouais, en ce moment, vraiment, il y a un tas de monstres qui m'envahissent et tout, et je suis dans l'obligation de me protéger avec des armes. Ok, donc, voilà et moi, peut-être qu'il me faudrait une petite arme, non? T'inquiète pas, moi, tout seul, je vais les démonter les deux, là, pom, pom, pom. Ok, tranquille. Garde un peu plus de force pour là, juste après, parce que là, il y a quand même Jeff the Killer et Pennywise, donc va falloir vraiment essayer d'assurer. Ouais. On y va? C'est parti. Ok, on essaye. C'est parti. Première tentative. Tiens, prends ça. Non, ferme la porte. Vite. Non mais... Oh, vite, reste derrière la porte. J'ai plus d'armes là, c'est mort. On peut plus rien faire. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, pour le coup, tentative échouée, hein. Oh là, mais dis-moi Twinner, qu'est-ce qui s'est passé là, clairement? Décidément, je crois qu'on peut pas du tout utiliser la manière forte. Ils sont deux, il y en a qu'une arme, donc c'est pas possible. Écoute, on va rester ici, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'en vrai de vrai, ce sera beaucoup mieux de rester là dans cette pièce bien enfermée. Bon, bah dès maintenant, pour le coup, je pense que le mieux à faire, c'est d'opter pour la deuxième des solutions et attendre que l'heure passe à 4h du matin. D'ailleurs, il est quelle heure là? Ok, il est bientôt, il est très bientôt 4h du matin, dans exactement 5 minutes. Donc moi je pense que le mieux c'est d'attendre ici 5 minutes quoi quand même. Ok, bon là je crois qu'on n'entend plus de bruit. Quelle heure il doit être là? Écoute, ça doit bien faire 5 bonnes minutes qui sont passées là, peut-être 4h, non? Ouais, attends, laisse-moi regarder un petit peu. Oui, il est bel et bien 4h du matin là dès maintenant. Bon, bah je pense que les monstres ont dû partir, en tout cas j'espère. Ok, bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Ok, oh, doucement. Ouais. On y va doucement, ok? Ok, vas-y, on... vas-y, tranquille. Vas-y. Allez. Sous les rideaux? Ouais. Non. Ok. Ok. Je pense que là, la maison a l'air d'être totalement vide. Je pense qu'on est bien. On part? Attends, tiens. Prends la caméra. Laisse-moi vérifier. Ok, viens. Ok, allons regarder plus par là-bas. Non, en vrai de vrai, là ça m'a l'air ok, hein. C'était chaud, honnêtement, c'était vraiment très chaud ce qui s'est passé dans cette vidéo. En tout cas, pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et là, Twinner, bon bah dis-nous un petit peu ce que t'as pensé de cette vidéo quand même. Écoute, vraiment, c'était un truc de fou. Alors, la prochaine fois, je préfère qu'on fasse ça dans ta maison, puisque tous les monstres là, c'est un peu trop quoi. Bon, t'as vu, aujourd'hui, on a rencontré Pennywise et Jeff the Killer. Mais est-ce que ça te dirait pas que je te mette au défi que tu les appelles en FaceTime les deux à 3h du matin? Quoi? Attends, mais tu voudrais que je contacte Jeff the Killer et Pennywise là carrément en FaceTime à 3h du matin? Mais wow!
Ok, bon, en vrai je suis sur le point d'accepter, mais à une seule condition, c'est qu'il y ait au moins 10 000 likes sur cette vidéo. Bah ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses, Twinner, là? Eh bah écoute, je pense que ça pourrait vraiment être une superbe idée, donc dès maintenant, bombardez-moi cette barre de pouces bleus, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne, hein. Bon, qu'est-ce que t'attends? Ouais, bon, en tout cas les gars, je pense bien que c'est dès maintenant la fin de la vidéo, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas du coup, à mettre un maximum de likes, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez à travers les commentaires. Sur ce, nous, c'est le moment de s'arrêter là, je pense, hein. Ouais, carrément, là, on a tout fait. Bref, abonne-toi, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.